Ça, c'est l'armée que j'ai créée pour protéger une de mes plus grandes créations jamais réalisées. Une base qui, sur le papier, ne paye pas de mine, mais qui est littéralement inraidable. C'est ma création, et personne ne parviendra à l'attaquer. J'ai été l'ingénieur de mon armée, et le wipe, c'est maintenant. Une quinzaine de troupes devaient me rejoindre dans la neige pour un objectif de prendre possession de l'Arctique. Leur rôle leur a été donné au préalable, mais nous ne serons pas les seuls dans ce secteur. Le mot de base à nous, elle est safe. C'est nous là qui tapons, c'est les collègues et la, ouais, base. Ouais. Ok, et la base ennemie, vas-y, montre-moi du doigt. Bah, où elle est. Bah, regarde là, t'as juste à regarder ta map et tu verras du coup. Celle de droite là, avec, oh. Avec la T1. Ok, les gars. Venez, on va vite aller fast au. On va vite aller fast Arbor. Donc, safe et vite votre base, on y va dans 15 secondes. Ok, viens aussi, toi aussi, tu vas venir. Salut. Faut que les mecs là-bas ils viennent. Quelle sauce? Il est avec nous, il est avec nous. Ok, il est là, Ninja. Va l'ajouter. Ah ouais, ils sont beaucoup. Viens, ah, tu peux le mettre dans la team, s'il te plaît. Il est avec nous. Les mecs là, on va avoir une mining alors. Bah, faut qu'on aille vite. Non, ils vont pas. Ils sont en train de buildver. Venez, faut vraiment qu'on aille. Tu peux m'ouvrir vite fait? Je prends la T7. Allez, quoi. De quoi te faire un couteau et tiens un petit supporter. Ouais, ils sont beaucoup en contact. Hein. Wow. Ouais, je dis ça. Faut que tout le monde, tous les sauces là, ils viennent. Tu peux mettre un message dans le groupe, dans le chat. Ok, bon, du coup, une partie de mon armée a réussi à atteindre la pause. Sauf qu'un assez gros clan chinois s'est également posé sur place. Ils auront l'avantage puisqu'ils ont une seule et même base. Mais on ne doit surtout pas ralentir et direction la mining outpost. Y'a un autre mec à gauche là. Alors, ça passe. Il a l'air d'être. C'est pas un mec à l'arc déjà? Ah si, c'est un mec crossbow, je crois. Crossbow, on le pêche tous. Eh, hey, on... hey, les gars, n'ayez pas peur, hein, vous pêchez. Hein. Quoi qu'il arrive, on pêche tous. Hein. Zara, je suis là. Allez, casque, le cheval là, pêche. C'est bizarre, mais c'est pas un mec crossbow, je crois. Recycleur à c'est gauche. Non? Il s'est cassé. Il s'est cassé, ok. Bah, tant mieux, hein, mais. Bah regardez, bon, il y aura pas, ça va pas être énorme, hein, mais bon, ce sera bien ça pour commencer l'histoire de ce... Faut juste qu'on ait de quoi faire des arcs, tu vois. J'ai pas, bro. Y'a un mec à l'arc là, sur la route. Oh y'a un mec à l'arc, là, sur la route. Attends, c'est toi, Ra. Oh, vous avez pas un peu d'appui sur... Ouais. Ah, c'est toi, Ra. Y'a un mec à l'arc qui rentre, les gars, mec à l'arc qui rentre, les gars. Demande un peu de... Ah, il est avec nous, tu l'as pas, hein. Il est... Ok. Ouais, bah nous, tuez-le, wesh, la vie de merde, gros, les gars, tuez-le. Tue-moi, wesh, tu joues quoi? Mais je suis dans le Discord, gros, ouais, show. Wesh, non, t'as pas le pseudo, mon frère. T'as pas le pseudo, ma bille. On a prévenu, hein. T'as raison. Il y avait dans le recycler. Hum? C'est quoi? Il y avait les caisses. Mais moi, je les ai tous pris, wesh. T'as l'air. J'ai fait une T1 là. Oh, il m'a bait. Même moi. En plus, il a pris des flèches. Oh, le chien. Non, là, t'inquiète. J'ai une toule. Toi aussi? Ah, t'as un couteau, nice, c'est vrai, je t'avais donné. T'inquiète, je te donnerai du tissu. Allez, les gars, il faut se casser satellite là. Allez. Go. Vas-y, viens. T'as besoin d'un peu de cuir ou pas, toi? Ouais, tiens. Ouais, je veux bien. T'es fait un pote. Oh, on se fait. Ah, mais wesh, y'a des mecs sur le top. Hit le black là. Et c'est... Ah, il est mort, notre collègue. Fait chier. À droite. Hit. Attends, il est rentré. Ouais. Il court. Il va vers le côté appuyé. Il a mis une tête à pied, je crois. Je l'ai tué. Je le vois pas. Hit. Il est mort. T'as joué? Bah, ils sont tous morts, ouais, c'est bon. Vas-y, viens, on loot, on se casse. On va à la base. On va leur donner. Vas-y. 170 de pi. Mais ils avaient beaucoup de tissus, ces chacals, en fait. Faut qu'ils le disent, hein. Pourquoi ils nous le disent pas? Y'a un mec, dehors. Ah, c'est.
Ah mais non, il a pris le recycleur, je crois que c'était toi. Je sais pas, non. Il est mort. Ah, non, il a quasiment rien. Vas-y, on se casse. C'est moi, c'est mayonnaise, c'est ketchup, les gars. Quel mytho. Il est con. Franchement, il aurait dit un autre truc, j'aurais dit, ok, c'est peut-être un copain. Attends, je me fais juste un Elgun. Bon, comme vous avez pu le voir, on a des petits filous qui tentent de nous infiltrer. On est ultra attentif et une fois safe à la base, on va devoir bed un maximum de monde car nos voisins commencent à prendre de plus en plus d'espace. Tu as rabalé, t'as l'excité. Posez des beds. Bro, okay, we can't speak, bro. We have chill, we have... Fuck you, bro. Bro, we are chill. We are role player. We are role player, bro. Il a arrêté. Ok, t'as loupé, il a un aigle, n'oublie pas. Je le vois, frère, même là. Dès qu'il va sur l'eau, tu le verras aller sur l'eau là. C'est bon. Mort. Nice. Faut que je récupère les bêtes et je les mette à l'intérieur. Bon, dites-vous juste que nos voisins n'étaient même pas encore tous présents. Une team française sous le nom des 911 va s'installer au top de notre emplacement. Une partie de notre armée était au dôme, et ces deux clans vont très rapidement prendre le dessus. Et si on veut progresser et développer notre empire, on n'aura pas le choix de bouger d'emplacement. On a pour projet de se confronter à un maximum de clans tout en jouant les mêmes rats qu'eux. Du coup, on décide de s'installer entre G4 et G5, une pause un peu moins compétitive, mais si on veut évoluer, on n'a pas le choix. Surtout que mon projet demande pas mal d'investissement. Oh, mais il tire dessus l'autre chien. Le village est posé, mais comme vous pouvez vous en douter, on a deux intrus dans la zone et on va vite devoir les expulser. On a un peu de retard face à nos concurrents et l'arrivée de stream hackers ne va rien arranger. Mais ouais, ils sont pas corrects, ils insultent les maires, ouais. Fondez leur pas, je sais pas, j'entends qu'ils parlent. Ah non, mais moi je suis pas là. Mais même tes mates, hein, du leur qui répond pas ça. Il va faire nuit, il va en partir. En tout cas, merci pour les cordes, hein. Attends, il y a du monde qui part. Ah, il y avait trop de mots. Ah, désolé, il y avait trop de mots, tu comprends pas les mots. Ah, désolé. Oh, désolé. Mais de quoi tu me parles? T'es un enfant de l'échec et tu viens me parler? Tu sais même pas de comment articuler. De comment articuler? Non, alors par contre, tu peux pas parler d'articulation, papier. Bah, bien sûr que si, gros. Oh, papier, bien sûr que tu parles si. Dans quelle heure tu tombes? Alors arrête, hein. Simple pour les simples d'esprit comme toi. Tu comprends? T'es un simple d'esprit, t'es simplet. T'es un enfant de l'échec, tu sais ce que ça veut dire? Oh papy, on se fait chier avec toi. Ah, tant mieux alors. Eh, hey, tu sais quoi, t'as qu'à te branler. Au final, il est plus intéressant. Et en plus, t'es un putain de connard raciste illettré, c'est magnifique ça. Un culte, quoi.
Ah bah viens, viens. T'inquiète pas, ce soir ta base elle est Fonda Wipe, tu connais Fonda Wipe? Oh non, tu vas appeler Papa Raven pour le Fonda Wipe. Mais j'ai besoin de personne, sac à merde, tu comprends? J'ai besoin de personne. C'est pas la base. Si j'ai envie de te soulever, j'y passerai ma nuit, je te soulèverai quand même, t'as compris? Dis-tu un Neoka? Un DB? Vinaigrette, merde, c'est un gentil, je crois. Ouais, c'est un gentil. Oh merde! Oh merde! Il a dû voir mayonnaise, mais pourquoi il me tue lui? En fait, j'ai un coup de DB. Il vient de sauter. Vas-y, il est sur moi, il est sur moi. Ouais, là, y'en a un qui peut leur parler in-game vite fait, juste n'importe. Ouais, les gars. Ouais, les gars. Oh non, je veux faire insulter. À mort, full dead. Vous pouvez sortir, les gars. Y'a un DB potentiellement, je sais pas, il est où. Arbalète. On s'est fait raid ou quoi? Amar. Nice. Et on s'est fait raid ou quoi? C'est qui là? Bah. Eoka, c'est vous, Eoka? Ah, non. Y'a Maïs qui est là, il a pris le truc. Il a Noka Il est mort, Eoka? Noka, je l'ai récupéré. Il avait descrapé tout. Pourquoi je suis mort en haut, les gars? Y'a des streamhackers. Parce qu'ils étaient passés. Ah ouais, putain. Ah, je relevais tout le monde. Ah, ça, Attends, sur la fin. Ah, c'est eux qui habitent là. Ah, ouais, ils habitent vraiment au pire endroit. Love you. Y'a un mec qui m'achète, les mecs. You. Allez. C'est clair. Ah, tu m'as kill. Ah merde. Il y a une échelle sur votre porte. Croyez-moi, ces mecs-là, on ne leur laissera pas une seule chance de s'en sortir. Ils habitent dans notre zone entre toutes nos bases et on va vite devoir les éliminer. Ils nous ont surmotivés et je vais devoir guider tout le monde vers le sommet. Il y en a encore un en descendant. Ah ouais. Ah, je suis mort avec le P2 au-dessus. S'il te plaît, celui qui est au-dessus là. Ouais. Ouais. Oh, c'est ça. Non. Ouais. Il est devant. Ah ouais. J'aurai la vinaigrette. Attends. Impossible de le. Mais je suis mort, de toute façon. Ah, y'a un mec semi, faut tirer sur le mec semi si c'est possible, les gars. Oh. Je vais le faire, mais il va me relever avant. Ah, mais pas pour taper les cailloux, ouais. Faut les raids, dans tous les cas, les gars, eux, on va les raid ce soir, dans la nuit. Il faut juste qu'on arrive à se lancer, et une fois qu'on est lancé, ça va le faire, les gars. Ah, mais tu pars là-bas. Putain, ça va être tellement satisfaisant, sur le rendu, là. en face de moi, y'a un mec. Avec un plan, à mon avis, il doit être full. Non, il a rien, il a pas le bandoulière. Il a juste un plan, en fait. Si on peut aller choper une ou deux caisses militaires à la... Non, mais... Oh ah, y'a un mec, en azimut 20... 15, azimut 15. Seul. Un mort, P2. Bien joué. T'as l'autre qui te push. Ah non, ouais, il back. Mettez-lui la pression. Il back. Je vous ai coupé le son quelques secondes parce que ce sont les Français et ils vont sortir toutes les insultes racistes possibles. C'est Maisy, il est loin. Downé vite. Hein. Ah, j'ai tué. Pêchez-le. Bien joué, magnifique. Voilà. Allez, c'est les deux Français racistes, let's go. Allez, on leur prend deux P2, les gars. Allez, maintenant on avance. Quand on est groupé, c'est pas la même, alors, je vous le dis. Ah, oui, c'est sûr, ils vont pas pouvoir faire n'importe quoi. Et tout sur 100 parcelles 07 pour les barres. J'ai des comptes, c'est 5€. Puis les barres. On est sauvé peine, wesh, on est sauvé peine, sa mère, on est sauvé peine. Handicapé, moi. Vas-y, je vais te laisser parler. Qu'est-ce que t'as à dire, vas-y. Allez, je te laisse. Vas-y. C'est quoi, c'est l'essai, c'est les vacances? Je revendique. J'ai découvert, il y avait un mec au-dessus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. À partir du moment où tu joues avec un mec comme ça, c'est que t'as aucune valeur, aucun respect, que tes parents ils t'ont pas éduqué, mec. Genre, désolé. Un mec qui vient insulter. Ah, wow. Tu peux streamhack, mais des mecs qui viennent dire. Bref, je vais pas dire le terme. Le N-word, etc., qui sont fiers de le dire. Tu peux venir streamhack, tu peux venir camper, je m'en fous, mec, c'est le jeu.
Il y en a des millions, il y en a des centaines et des... T'as besoin d'aide ? Bon, c'est impossible de communiquer avec ce genre de personnes, donc c'est le dernier passage que vous verrez avec eux. Surtout qu'un renversement de situation va avoir lieu dans les prochaines heures. Comme prévu, une fois nos bases sécurisées, on décide de retourner dans le nord pour s'approprier l'Arctic Base. Personne. En bas, il y a personne. Hein. Yep. C'est clean. Oh, c'est clean. Ok, bah il est parti alors. Vas-y, on va pouvoir la garder un tout petit peu. On va la garder un petit peu, les gars. Vas-y, ok, bah juste safe. Sur moi, DB. Un hit. Il est une balle. Mort. Fucking dead. Ok. Bah, je l'ouvre. Il y a un bot. Sur moi, il y a un bot, les gars. Il est en train de loot un mec, 150. Là devant. Je vois. T'as pas loot. Et mon corps il est là moi. Ouais t'as pas loot, ça reste 100%. Il est peut-être monté en haut dans le... Un mort. C'est peut-être lui alors. Il était à l'arc. Attends. Décale pas. Nice, oh. Il y en a un mort. Décale pas. Il s'est pris un hit. J'y vais. Attends. M'a redoublé. Attends. Il est en face de lui. Ouais, full push, les gars. Gold push. Hein. Je vais par l'autre côté. Il s'est pris double hit. Où ça? Là, à ta gauche, dedans, méfie-toi, il est dedans. Relève le coup. Contact. Vas-y, pêche. Il m'a tué. Mort. Il est mort. Il y a ces mecs qui arrivent. C'est nous ou pas? Je suis là, c'est moi. Comme ça, tu me dis ça arrive. Vas-y. Non, lâche pas d'armes. Je veux bien vous ramener quelque chose dehors. Hein. Je reviens là. Juste mets le mon débit. C'est où? À moins 32 les gars, s'il y en a un de vous qui peut venir. Oh, on est pas groupe, mais t'as soumis. Mais tu veux break? Pendant ce temps, c'est non, il y en a un qui est parti, ouais, là-bas. Vers toi. Il est mort? C'est moi torche. Ouais. On a finalement su garder l'Arctic durant une bonne heure et demie, et l'ensemble de mon armée a pu faire le plein de composants. Même si tenir cette rade est une vraie galère, on parvient à le faire et la suite ne sera que meilleure. Les streamhackers vont totalement tourner leur veste et décident d'abandonner et nous laisser leur base. Ouais, un retournement de situation totalement improbable. Il y a eu incompréhension, dans ma note je te passe ma base, faut la lire. Ouais, par contre c'est la quête de base. Torche allumée. Un mec devant, faut le tuer. Peut-être me courir après. T'inquiète. Bon, ma base elle est unlock si vous voulez prendre ce qu'il y a dedans, parce que faudrait peut-être un peu start le wave. C'est bon, les chiens.
J'ai oublié la TC, en effet, le code c'est 7419. Ah, j'ai pas trop compris votre délire les gars, mais bon, au moins si vous quittez là, ça va nous faire de l'air. Franchement, leur move était juste incompréhensible. On va pas se plaindre, et c'est un ennemi en moins dans notre secteur. Désormais, il ne reste plus qu'une base à raid, et on va rapidement se préparer pour entamer l'offensive. Il a wall ? Non, il est sorti. Il est mort, je crois. Non. Il est mort. Ah, mais vous êtes arba, vous êtes pas armé, ok. Ah non, si, j'ai ça. C'est bon, je suis armé. T'es pas armé, toi ? L'hôtel de ville est donc en pleine construction et j'ai bien avancé dans mon projet. Les bases autour commençaient à se former pour protéger le point clé de ce village. Mais une seule base était l'intrus dans ce secteur et il allait être l'heure pour nous de s'attaquer à eux. Vas-y, il est ouvert la porte. Et les roquetteurs, vous êtes prêts? Un qui monte? Comment pas? Deux, trois qui montent au top. Je vous mets une échelle. Les roquetteurs, venez là. Ouais, je vous attends comme ça, on roquette tout d'un coup. C'est parti, il a fermé les portes. Ok. Vas-y, continue tout droit dans le métal. Je passe. Il vient de ceci. Ah, il est mort, ils sont morts, les deux sont morts. Ok, stop, regarde début. Stop, les regarde. Ok, décalé, on va péter en haut. Décalé, ici. Non, ouais,
Ouais, comme. Ok, t'es encore deux portes. Mais je crois que j'ai entendu fermer un truc. Il y a deux portes en haut. Il s'est si. Je regarde, ils ont pas sur eux. Ok, il y a full, il y a tous les compos en bas. On peut faire prendre les compos. On met tout ça où, les gars? Attendez, pour le moment, vous avez encore des roquettes ou pas? C'est à quelle porte? C'est ceux-là? À gauche, ouais, à gauche. Tu peux décoller, Zeny? Pire, tu mettras des coffres. Tu mettras des coffres chez toi, Raven, comme ça. Ok, vas-y, bah lootez tout, on va chez moi, je mets des coffres et on pose tout, on regarde, voilà, on fait l'inventaire. Exactement. Une fois l'heure est terminée, on va très rapidement faire l'inventaire afin de partager équitablement les ressources récupérées à travers l'ensemble de l'armée pour que chacun puisse sécuriser au mieux sa base. Le loot était plutôt juteux et on va tous en profiter pour améliorer nos bases pour ensuite pouvoir enchaîner les assauts sur nos différents voisins. Allez, sur les côtés, hein, genre juste. C'est une 1 sur 2, hein. C'est une 1 sur 2 pour tomber, c'est tout. J'y vais. Attends. Laissez, il y a un DB, il a un DB. Genre vraiment un Phoenix et tout, les gars. Genre regardez sur les côtés, c'est rien de regarder devant. J'ai un DB, ouais. On est déjà nous trois en train de raid, regardez sur les côtés. Hein. Ouais, moi je regarde sur les côtés et puis je regarde la top. Quand elle veut, hein. Ah, Shadow Trap. Venez avec moi s'il vous plaît. Non. Je suis bloqué. T'es Thompson, vérifie dehors. Restez tous excès les gars. Vraiment, on a besoin de personne à l'intérieur. Je suis libre. Il manque un coffre quand même avec. Bah garde-le. Regarde ça. Il y a un peu de bois. Le coffre de mon coup, il est haut. Ouais. Le grief, oui. Ouais, c'est... j'étais en train de chercher le pierre et le bois et tout pour faire ce que vas-y, on va te passer. Le mec que l'on venait de raid se nommait Saucisson et passait son temps à nous camper. Du coup, on n'a pas perdu de temps pour l'éliminer. Nous étions donc à 3 raids dans ce wipe et on ne va pas s'arrêter là. Itefi avait aperçu une base à quelques mètres de notre zone et je décide de les accompagner pour un raid qui à la base devait être simple mais qui va rapidement se transformer en big affrontement. Après il y a genre deux portes et on a tout je pense. Bon, c'est même sûr et certain. Deux portes on a tout. T'as du heal ou pas du coup Raven? Ouais j'ai que ça. Ouais c'est sympa ça. Ok il y a Hollandaise là qui... On a cassé la montée je crois. Non on a pas cassé la montée. C'était le wall du dessus. Là ouais. Regarde, ça a pété. Ouais. Chiche. Là, ça a pété. Dans 3, 2, 1. Maintenant. Nickel. Et là, celle-là. Ouais. On a pas de tir pour casser son bed. Ça va se péter, t'inquiète avec les sages.
Remonte celui que c'est. Je peux le. Non, je peux pas. Bon, je pète. Ça a l'air d'être pas mal déjà. Juste là, je vois les petits coffres. Oh oui. Oh, tu voulais des backpacks. C'est vrai. Ouais, il y en a deux. Nickel. Master. Mort dehors. J'en prends un. Vas-y, go tout vider et puis. Ça prend un backpack. Prends un backpack. Un mec dehors. Ah, oh, je me suis fait instant. On peut garder la ligne ici. T'as d'huile ou pas? J'ai vraiment pas de vie, frère. Je reviens. Y'a mon train qui arrive et je vais donner l'info. Pour pas qu'il descende. Vas-y, je garde la ligne là. Tu m'as mis quoi? Tiens. Ça te suffit ou pas? Tiens, je te fais des bandages. Bah, j'ai pas 100 HP, mais ouais, si t'as des bandages. Tiens, je te fais des bandages, tiens, prends ça. On peut refermer, hein. Si tu veux, prends de quoi te faire du métal, comme ça au moins t'es safe. Je l'ai hit deux fois à la grosse bo. Je vais faire plein, attends. Il est solo, hein, je crois. Oui, il est solo. Ouais, je reviens avec un. Je sais pas s'il est monté. Azmat. Un mort, un mort. Birouge. L'autre, AK, je crois. Ils m'ont arraché. Oh, j'en ai tué deux, il reste un mec AK. Wesh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis Dardo, je suis à tes pieds. Mais mort, sur toi. Les dégâts. Les greux. Attendez, j'ai un DB, si vous voulez. J'ai une Tommy. Donnez-moi un truc si vous avez. Oh, attends, il y a des DB. C'est pas fermé. J'y vais. C'est une porte en bois, frère. Attends. Donne-moi une seringue, c'est un Robin. Une seule. Il est où? J'ai des greux, tiens, des greux. On va. Attends, prends un DB Raven, balle rouge. Attends, les balles rouges, elles sont où? Je sais pas où elles sont. Allez, c'est maintenant, dès qu'elle pète, go! Oh, le mec caca, il m'a dit. Regarde. Il y a un mec au top! Mort sur le top! Un mort? Il y en a encore un, les gars. Ah, je peux pas, c'est AK. Je mets 2 secondes. J'ai un HP. Ok, la K va te piquer, la K. Je reviens. Si on avait les tués. Mort. Je peux voir en bas. Elle est passée. Elle est mort. Et j'ai hit. Attends, je vais voir si j'ai des vrais gros. Il y a encore la K. J'ai une vraie gros. Vous pouvez me boost. Mort, un DB mort. Je prends un DB, j'ai un DB pour vous. Elle est encore passée. Mort. AK morte. Noé. Ouais, j'ai tué un mec, tu sais. Mais. Un mort. Ils sont dans la merde. Tiens, une vraie greu. Ah ouais? Oh oui. Tiens, DB par terre, DB. Eh là, lui il est mort. Alors lui il est mort. Il est mort. Ramenez des molos. Ah, des molos. Il open. Ouvrez. Lâchez-moi une arme. Tiens. Drop ton DB. Il est juste derrière la porte en bois. Ou il est mort peut-être. Non, il est en dessous. Faut des molos. Vous pouvez pas ramener des molos? Molo. Drastics, n'importe. Vas-y, j'y vais. Je reviens. Tiens, prends le P2. Il est mort. Prends le P2. Il en restait en dessous. Y'a un mec derrière le wall en 210. Et les gars, je vais gruer et vous y allez. Je vais gruer avant. Hein. Vas-y. Il est à 63 HP. Il faut un DB. Ouais, mais faut que le DB il y aille. Bon, attendez, une. Dès qu'elle pète, vous y allez. Vas-y, Jade, go. Ah, mais y'a du feu. Ouais, y a du feu. C'est moi le naked blanc qui arrive sur vous. Allez. Go. Mais attends, c'est full. Non, mais c'est. J'ai full DB. Ouais, c'est des DB. C'est moi le naked qui rentre. Le corps. Y'a un P2 qui arrive sur vous. Eh, je lance la beacon quand même en vrai. Vas-y. Ouais, moi j'ai. Mort. Attends, il a pris une tête. Ouais, bien magnifique, il est mort. Mort. Pardon. Ah, oh, c'était vraiment un tir de réflexe, je suis désolé. T'inquiète. Il y a un truc gun trap, hein. Il y a sûrement mis des trucs. Des balles. Il y a eu mon DB. Je tente, j'ai rien sur moi, enfin. Non, mais chill, juste. Oh, oui, il a tout. Vas-y, je vous laisse la K et tout. Prenez. Vous méritez la K, les gars.
Moi je veux bien s'il y a du... Oh je veux les... Attends les visions nocturnes parce que là... Vas-y on faut se casser. Lootez tout ce que vous voulez, je vais on se casse. Je prends le backpack, attends. J'ai déjà le backpack. Je suis sur le top, je garde Annie. Prenez l'AK. Vous avez fini les gars? Ouais on a eu l'AK et tout du mec. Ouais mais vous avez pas dit qu'il faut des moulots et tout? C'est ça mais j'ai armé déjà. Oh putain. C'est bon les gars? Ah je me casse les gars. Ouais, moi aussi je me casse. Moi aussi je me casse, j'ai l'AK les gars. Ouais, t'as l'AK, t'as plein de trucs normalement, bien joué. Il y a moyen de se faire inviter dans le groupe. J'arrive sur vous au Revo là. Et je vais stick, je te mets chef du groupe, ok? Y'a un mec devant moi, les gars. Moi, je m'en Revo. Je saute. Ok, c'est bon. Il y a rien de mieux que ce genre de fight pour prendre encore plus de confiance. J'avais également demandé à Styx de faire un garage avec une caravane afin d'avoir un véhicule qui nous permettrait de farm tous ensemble. Et c'est la suite logique de notre progression. Direction le prochain objectif du wipe. Tu descends ? Ah bon. Il y a 3 4 5 carrément. Putain, je suis au piolet. Moi aussi, je suis au piolet. T'auras pas le temps. Oh putain, j'ai eu le temps de mettre un coup de... C'est bon, ça va de venir dans la camionnette, moi j'ai juste à ramener à chaque fois. Putain, mais j'ai pas le temps de taper les. Si, j'ai eu le temps une fois, là. Ouais, une fois. Putain, dommage, mec, je n'ai pas mes tac-tac, hein. Est-ce que c'est une chose, rien à dire. 23, jamais... Moins 24, jamais je vais tenir, moi. Moins 18. Moi je suis à moi. En inverse. Plus mort. Pourquoi ça tire? Sur le mec en face. Là il est mort. Mort. J'ai joué. J'ai joué. J'ai déjà expansé dans ce bat de vite. Il est où? Là. Ah, mais il avait un tac-tac, mais je sais pas si c'est des collègues. Vas-y, je le prends. Ah bah, le mec, je suis là, ça sert à rien de me looter. Ah, looter le. Ah, c'est. Tiens, prends la suite. Alix. Après une bonne nuit de farm et pendant que le reste de l'armée craftait des roquettes pour raid notre prochaine cible, il allait être l'heure de faire un nouvel assaut. Cette fois-ci, je décide d'assurer nos arrières en posant une fonde à bed et on est parti. Regarde pas. Ah, c'est qui a désactivé la tourelle là? C'est okay. on va taper déjà. Là, directement là. Ouais, mettez les deux tous les. Attends, on est où? Là, c'est mieux taper là, hein, c'est lui. Ah, porte de garage. Moi t'en as encore? J'ai shell, tiens. Shot can drop, fais gaffe. Avec des mini-combis ici. Oh, je suis tombé. Il vous reste des échelles ou pas? Dites-moi que vous avez pas tout droit. Ouais. Ah, nice. Tiens. Je fais la porte. Hein. Ouais, j'ai débattu très. Il y en a des trois et porte de garage. Mec, il y a la Sony. Ah, oui. Porte de garage. Et j'ai une roquette, il me reste une roquette, ça va le faire normalement. Oh là là, c'est fat sa mère. What the fuck. On a pas mal d'armes, pas mal de souffle. Oh là là là. Décalez les décalés. Dis-moi qu'il y a de l'HQ dans la TC. J'ai pris les scraps. Je sais pas, t'as des scraps dans mon rap dans ton dos. Il y a 2400 scraps. Une, deux. Je prends le soufre ou pas? Et le charcoal?
Ouais bah go soul et on va déposer dans mes coffres comme la dernière fois là. Bon et bien après avoir fait l'inventaire, le raid est plutôt rentable. Comme d'habitude, on va rapidement répartir le loot afin que chaque base puisse récupérer une partie des ressources. Puis à peine arrivé à la base, l'hélico de combat va faire son apparition. Une opportunité en or pour nous. Ah t'es pas en haut? Ah ouais c'est bon. Non je suis pas en haut. Non j'ai touché. Faut que tout le monde tire par contre les gars. Fais louper. Il va venir. Il va venir derrière là. Et il vient, il arrive. Sur le toit. J'ai pas mal infini moi. J'ai essayé mais. Non, je l'ai dégommé. Faut une AK. Hein. Ok. Zéro tort. Je tire sur la queue. Ouais, c'est chaud en fait à la semi. Comment sont venus? Ah, visez la queue. Ah, je suis mort. Ah, c'est gentil, c'est ta base qui a repoussé la place de la mort. Bah. Ah, il est en train, ouais. Non. Non, il va pas être le même matin, il est même pas en train. J'ai plus de balles à faire les tuyaux. Continue de lui toucher, hein. Ouais, je le touche. Je vais aller me chercher des balles. Ah, moi je suis un peu bloqué ouais, par. Il est quasi mort, il est quasi. T'as des balles? T'as des balles ou pas pour moi, Piment? Laissez-le revenir, laissez-le revenir. Non mais il va pas down là, il va down là, il n'aura pas. Il part? Il est parti sur l'aérodrome. L'aérodrome, il va péter. Il va tomber hein. Ouais, allez on y va, on y va. Allez, let's go. Si on prend la pause direct, normalement c'est ok. Venez, on y va. On a le temps les gars, précipitez-vous pas non plus. Mettez-vous bien en soin et tout. Bon, finalement, impossible d'y aller sur place. Une Zerg avait déjà pris les devants en se posant dans toutes les tours de l'airfield Alaka. Impossible pour nous de faire quoi que ce soit pour notre hélico. Du coup, on décide de se rabattre sur une base à tissu existante depuis le début de la construction de notre village, pendant que quelques scooters étaient partis analyser la base de nos prochains ennemis. Et qui l'a déposé tout devant nous? Par contre, c'est qui m'a jeté des. Au moment où je lâche une roquette, Raven. Moi qui ai jeté ça. Oh, j'ai le seul. Qui c'est qui a le DB? What? Wesh! Toutes les billes! Y'a quelqu'un qui peut faire un partage? Bah, tout a été pris là. À leur base si tu veux être ajouté. Ah mais c'est vraiment là. Ouais. Au même moment, nos scooters ont réussi à spot le clan ayant fait l'hélico quelques minutes plus tôt. J'y suis d'ailleurs tombé face à eux juste après le raid de la farm base. Un full dead, tête de loup. J'arrive sur toi. Il y en a deux qui se avec lui. Ils vont essayer de nous pêcher. Ouais, faut juste essayer de. Je suis dans ton bac au cas où. Il y en a un contact à toi et deux sur la montagne, Raven. Deux contacts à toi. Ouais. Les deux morts, ils m'ont fait. Il reste. J'en ai tué trois, les gars. Il reste un. J'en ai tué trois. Ok, donc c'est acté. Ça sera soit nous, soit eux. Je décide de sécuriser encore un peu plus notre village pendant que mon armée craftait des explosifs pour notre ultime raid. J'ai suivi Styx, notre scooter qui m'a guidé vers la base qui est totalement prenable, et comme notre précédent raid, nous ferons un assaut avec une fonde à bed. Sauf que cette fois-ci, nous irons là-bas de nuit. Et dans la neige, contact au 911, un clan voisin du début de Wipe. Le raid risque d'être très compliqué, mais si on a un timing, on peut le remporter. Ok, t'es là, Flix? Ouais. Moi, je suis à côté de toi, je dois rentrer. Première, on éventre tout.
Vise bien un peu plus haut comme ça, ça fait vraiment des dégâts partout. Et la montgolfière qui se dirige vers nous. Ouais. Il est sur sa base en face. Et on continue. Attends, vision. En 40. C'est sorti. Je vois pas mon extérieur. Y'a un mec dedans. Ouais, tout bon. Attention, en 80, il y a des flashbacks. Dead. C'est juste leur ventre parce qu'ils voient pas où ils. T'as pas dans le métal là. Ça fait 4 dégâts, ça fait tous les dégâts. Tape métal et pierre. Je vous flashlight, ne me pétez pas. Y'a un mec dans la botte, la voiture qu'on pose sur. Ok, attends, on va me péter. Y'a une télé 2. Voilà, c'est la mort. Ça arrive là en 310. Silencieux. 310, silencieux. Attends, bouge-moi. Oh, il y a des trucs. Montez. Vous éclairez pas. Attends, montez. Ah non, attends, c'est pas possible. Y'a rien. Et que dalle. Ça a l'air de puer sa mère, les gars. Je peux monter. Vas-y, viens péter ici. Viens. Décale aussi. Je décale. Et j'allume. 100% aussi. Fais gaffe, Brésil, y'en a un truc. C'est moi. Ah, ils ont tous les câbles. Ils ont tous les câbles, y'a rien. Oh putain. Ils ont tous les câbles. Ah putain. Oh. En face. T'as combien de roquettes? J'ai 4, 5. 5 roquettes. Est-ce qu'ils ont pas mis dans la Vandic qui est juste à côté là? T'es vraiment, mais vraiment rien, genre ils ont juste tout enlevé en fait. Vous avez combien de roquettes? Parce que sinon j'ai une base intéressante. J'ai 5. Attends, faut checker, attendez. La Vandic qui est à côté, elle est à eux ou pas? Non mais la vending elle est juste à côté. Les gars coveraient bien, il y avait un naked de juste derrière un mec à qui. T'as combien toi, gros? Il y a un mec au caillou là. Ouais, je suis mort. Triple hit le mec là-bas. Double hit, il est mort là. Je me fais silencieux. 911, je suis mort. Oh putain. 911. Ils sont beaucoup. Ah ouais. Dead. Ouais, ils sont plus. Il y a le rocher devant moi, 240. Ah, bah, tu peux me rien? Ouais, c'est sur les bêtes. Ah merde. Où ils sont? Ils sont. C'est mon rail. Tiens. C'est une arme. Si, j'en vois un là. Ils sont sur les rochers. Donnez, Zazie. Derrière toi. Vendage, je l'ai vu. Ah non, je suis mort. Un mort? Mais sur le top. Mort sur le rocher. Full dead. Full dead sur le rocher, full dead. Là. Y'a un mec sur moi. Vas-y, je le fixe. Harry, en dessous de nous, toi, y'en a. Ça faut des échelles pour monter là les gars, il va falloir des échelles. Ouais, tapez, tapez sur les murs, pour pas qu'il se fasse. Kick nade. Moutarde, t'as pas une flashlight à rêve? Non. C'est qui a une tête HQ? Bibi. C'est Brésilien. C'est un coup, c'est un coup. T'es où Brésil? Vas-y. Le même rocher, ils reviennent du même rocher. Quelqu'un qui boot. Vas-y, drop au sol, Brésil, je suis derrière toi. Merci. Quelqu'un qui boot, vas-y. Il s'est greffé derrière un mur en HQ. Oh là là. Franchement, elle a l'air bien blinde. Attends, t'as pas fait sauter la TC? Je crois que t'as. Non? Je crois que t'as pété la TC. Non, je pense qu'elle est derrière. Elle est derrière l'HQ, je crois. Oh là. Là, ils sont pleins. Oh, ça arrive, un en balle, sud-est, nord-est. Go les jouer, nord-est. Non, go les jouer. Ah non, c'est toi, putain. Oh, bouge. Ah oui. Derrière TC, sans. Regarde la marque. Il est pas mort. Ouais, vas-y. Y'a full staff AK là-bas, en face. Ah, il était pas mort. Y'a du heal ou pas quelque part? Putain, y'a pas de heal. C'est la vaca en face de moi. Brésilienne, je suis. Il est mort.
Ils sont en train. Oh, c'est qui a été. Il a mis un mot sur le. On est là, Brody. Ah non, il était pas. Celui-ci. AK full dead. Je me suis fait silencieux derrière. Oh, le raid qu'on a pris, le raid qu'on a pris. Oui, il y en a sur la base. Oh non, l'hélico combat il va pas. Aïe, aïe. Ah ouais, frère. Ah oh, bah, ils ont pris le top, Colin. C'est vous de Tommy? Non. Il est double chat mort. Attention, il y a encore un fini là. Ah, dommage si j'ai pas d'AK. On style. Oh, il y a une aile. T'as un bandage? Non, j'ai rien. Ah, mais ça se full load sur les corps. Ah, ouais. Putain, c'est dommage, c'était un beau fight. Ouais. Tiens, j'ai ça si tu veux. J'avais 5 MP5 sur le fond. Tiens, j'ai un haut et un bas. Malheureusement, on est clairement obligé de battre retraite face à ce clan qui sont dans leur zone de confort, avec leur base à moins de 2 cases de la zone de guerre. On ne perd finalement pas grand chose puisque le clan ayant fait l'hélico quelques heures plus tôt avait abandonné, et leur voisin totalement grégué fait impossible pour lui de reprendre sa base. Plus de la moitié de mon armée va tout de même réussir à safe leur stuff, et on rentre au camp sans trop de soucis. On espérait une tentative de raid sur mon hôtel de ville, mais rien du tout. Personne n'a voulu prendre le risque de nos raids durant ces 4 jours entiers d'aventure et notre camp va finalement être intact du début à la fin. Un design avec des tours protectrices qui a dû en faire fuir plus d'un. J'espère sincèrement que l'aventure vous a plu, on a atteint l'ensemble de nos objectifs et je finis mon wipe fier de mon armée. Sur ce, c'était le chef Raven, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ciao ciao.